Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Heroes Hour. On se retrouve avec les Telluriens, toujours dans la tentative de faire une exode. On s'était resté au moment de découvrir un peu plus la carte en payant un peu d'argent. Et on va préparer également petit à petit notre... notre armée, nos armées pour partir vers de nouvelles contrées, notamment celle-ci. Parce que j'ai regardé un petit peu plus, donc effectivement le portail qui est là, je pense qu'il amène ici. Parce que en regardant un peu plus près ici, j'ai vu que là il y avait un autre dragon qui gardait ce portail là, qui doit renvoyer vers une autre île, j'imagine, qui n'est pas la nôtre. Donc voilà, donc on avait dit qu'on essayait de capturer le Grand Ouest, tout le Grand Ouest là, donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais pour ça, je vais déjà repasser ici avec mon héros. Pour tenter de... c'est pas pour tenter d'ailleurs, c'est pour recruter un petit peu. Alors ça, on va le prendre, ça on va prendre, ça on va prendre. Objet, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est bien ça. Hop, ça on va prendre. Et niveau unité... Ouais non, on va prendre les archers aussi. Et on va laisser ça pour l'autre armée. Et donc ouais, hein, parce que j'avais vu ça, ouais, on avait domaine, ça nous donnait 250 pièces d'or par tour. Tout de suite, là, au niveau 1, bof. Et au tour d'après, on ira taper sur eux. Hop, avec lui, on prend le reste. La cavalerie et un peu d'archer. Voilà, comme ça au moins, on est équipé. On a la caravane qui se déplace et qui vient sur eux, ou alors c'est un peu dommage. Autant qu'ils aillent plutôt rejoindre les rangs de ceux-là, voilà. Et avec lui, on va prendre le bateau et on va partir un peu à l'est, du coup. Donc voilà, faut savoir aussi qu'il y a eu... Donc j'ai bien dit à mon PC, effectivement, d'utiliser ma carte graphique. Et dorénavant, et pas ma carte d'affichage. Et j'ai également, le jeu a également une mise à jour. Permet d'avoir des combats plus fluides, moins de pertes de performance, etc. pendant les combats. J'ai testé, ouais, clairement, c'est pas concluant quand même. Hein. J'ai pas vu de nette amélioration personnellement. C'est dommage, mais bon. C'est un jeu qui encore qui aura besoin de temps pour être plus optimisé, je pense. Allez, on s'en va vers l'est. Comme convenu. Et avec eux, on va tenter un combat un peu difficile contre des dragons. Clairement, ça va pas être le plus simple. Mais bon, on va voir ce qu'on est capable de faire. Ok, donc déjà, hop. Qu'est-ce qu'on a là? Je voudrais avoir tous mes archers sur le terrain, si c'est possible, ou presque. Mais 3 Yeti. Hop. On a eux et eux. On a eux qui vont être ici et ici. Le héros derrière qui va encore se faire dégommer. Donc on va le mettre un peu plus en retrait. Et puis on va bien voir ce que ça donne. On va se mettre en défense. On va les attendre. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attendez, je réfléchis un peu. Non, reste là, toi. Ça, on s'en fout. On va évoquer éventuellement des horreurs. On va paraître ici. Et on passe à l'attaque. C'est parti. Faire ça pour le moment. Éventuellement, je mettrais bien bouclier de feu sur eux là, qui sont en train de prendre un peu cher. En train de faire tomber les dragons et tout ce qui va bien. Là, vite, on va transformer un petit paquet en crapaud. Ça permettra de limiter les dégâts le temps de tuer les autres. Et nos archers avancent surtout aussi. Nos arbalétriers.
Bon, les Yeti ont l'air de faire le taf, hein, clairement. Et on va même peut-être prendre une petite réanimation des morts ou pas. Non, c'est bon. Non, non, c'est pas la peine d'utiliser plus de mana. Ah, c'est bon, on a le combat à notre compte. Faire des troupes, ça c'est sûr et certain. Les dragons tombent. Il en reste encore un. Il va tomber aussi. Il est tombé, voilà, victoire. Ok, c'était propre, franchement. 25 000 d'XP, c'est cool. Ça, on en a plus trop besoin, mais on en a quand même besoin pour augmenter le tir à l'arc. Oligarchie, je suis pas très fan. Ça, oui, mais il faut déjà améliorer ça. On va prendre tir à l'arc. Du coup, si on fait portail, ok, on arrive bien ici. Parfait, on va aller pouiller un peu. Piller un peu cette terre. On va prendre l'or. Oula, on a un combat difficile ici. Ok, alors on va peut-être pas le tenter tout de suite. Là aussi. Là, on va passer. On va aller se gaver en or aussi. Et on verra au tour d'après. Là. Allez, on continue de prendre l'or qui est là. Là, on pourrait avoir du mercure. Alors, ce serait bien, mais avant de déclencher le combat, je voudrais voir la difficulté quand même. Moyen. Il y a du monde hein, quand même. Hein. Pas si facile hein, les combats hein, qu'il y a là. Tant, on a des troupes, hein, mais comme quoi. On en a un peu moins, on en a perdu pas mal quand même. Hein. C'est vrai qu'on en a perdu pas mal. Ouais, bon, les temps, c'est pas terrible. Clairement, là, c'est sûr qu'on roule pas sur tout le monde. Hein. Il y a des combats que je pourrais tenter, mais je vais perdre inutilement des troupes. Je préfère vraiment prendre le temps, on n'est pas pressé encore. Hop. Donc lui a gagné un niveau parfait. C'est une sorte d'invocation. C'est pas mal ça. Sachant qu'on a un peu d'invocation, c'est intéressant. Démonologie permet de sacrifier une partie d'expérience gagnée pour invoquer des renforts démoniaques. Ok, cool. 15% de chance aux créatures du héros de lancer un sort destructeur lorsqu'elle meurt. Ah, c'est pas mal aussi ça. Ok, il a des trucs sympas lui aussi. Hein. Ça, ouais, pour moi, je suis pas trop. Je suis pas très très fan en fait. On va partir. Sinon, on part sur ça. Non, on a déjà un point, c'est bien. Bon, on va prendre invocation. Invocation de gobelin. Bague de l'équilibre. Intéressant ça. Ça se met où déjà? Ah, on a déjà ça. Un en aéromancie. On va le prendre quand même. Bon, ça l'a mis à la place, donc c'est que ça doit être mieux, je pense. Je suppose. On va prendre le temps d'aller voir les fées qui ont donné des déplacements. Et de l'XP. Et l'épave. On remontera. Et ici, on peut faire la citadelle pour choisir les unités qui seront plus disponibles. On va prendre les cavaliers. Et voilà, on a fait tous les bâtiments de des Telluriens. On a tout fait, absolument tout fait. C'est cool.
Ok. En attendant, on va. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il faut de la pierre pour. Putain, c'est chiant ça! Vraiment que j'ai plus de pierre. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, avec eux là. Les berserkers, ils ont l'air cool quand même. Hein. Riposte, sauvagerie et rage. On va payer 1000 pour changer. Mineur de fond, repoussement. Ça a l'air nul ça. Par contre, eux. Ah, je vais en faire 13 déjà. Tant pis, ça coûte des sous, mais de toute façon, c'est là pour ça. C'est là pour ça. Qu'est-ce qui se passe par ici? Rien de spécial. La map est grande, hein, donc il y en aura pour un petit moment avant de tout gérer. Qu'est-ce que c'est les petites maisons là? S'il y avait un mini village ou autre, tiens, je sais pas ce que c'est ça. Alors, ici, on va continuer de prendre de la ressource à gogo. On passe le combat. Et encore un combat, on le fera, ça fait de l'expérience, et l'expérience, il n'y en a jamais trop pour un héros. Ouais, je sais, j'arrête pas de dire qu'il faut que je remonte et je vais faire d'autres combats, je sais. Je suis trop tenté à chaque fois d'aller voir des trucs comme ça. On va augmenter l'invocation. Voilà, c'est bien les invocations. Je trouve que c'est très très cool. Voilà, puis du minerai, on en avait besoin. Allez, on remonte maintenant, promis. Vas-y, impossible. On est reparti pour un nouveau tour. Oh, ça a l'air sympa ce bâtiment là, la pierre d'érudition. Ça là. C'était marqué avec le héros, reçoit 750 points d'expérience plus 250, bah voilà, par chacun de ses niveaux. Donc plus il est haut niveau, tous les 4 niveaux ça fait 1000 XP. Bah, ça peut être intéressant d'aller le voir effectivement. Allez, on passe. Ok, on a soit tactique, parce que tactique c'est bien. Pyromancie, on va prendre tactique, comme ça on peut déployer plus de troupes, et je trouve ça vraiment trop bien moi. Facile, allez on y va. Plus difficile, ok. On va reprendre le chemin du château, ce sera bientôt la nouvelle semaine, donc on pourra les re-recruter, revenir ici pour continuer de piller la zone. Hop. Non, là, on va prendre l'expérience vraiment par contre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Géomancie, ouais, on a nuée qui est pas mal. Commandement, c'est pas mal aussi. Et la tuer en destruction, ça peut être sympa, hein. En vrai. Hein. Ça peut être pas mal hein, comme petite compétence, je vais y arriver. Ou alors on prend ça pour continuer d'améliorer Roi Dragon, ouais on va prendre ça. Roi Dragon, quand on va pouvoir générer un dragon rouge, on est à 74%, franchement c'est pas dégueulasse. Hop là, on va aller faire ça, vite fait. Expérience, on prend toujours. Mon caverne du dragon, c'est quoi? Ouais, récupérer les richesses gardées par un dragon rouge. Alors, un, à mon avis, c'est plusieurs. J'ose pas trop tester du coup. Ah, tiens, il y a un héros qui s'approche par là. Facile. Ouais, intéressant. On va
Attendre de voir ce qu'il fait, mais pour le moment. On va les prendre avec nous, eux aussi. Eux non, eux oui. Eux oui. Eux oui. Voilà, là pas plus. Si on va en créer d'autres. Hein. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus chers, hein. Par contre ça calme. On va s'en prendre un dernier, voilà. Puis ce sera tout. Ce sera tout. Pas grand chose de plus qu'on peut faire. Et richesse. C'est vrai que je pense pas regarder les sorts qu'on a là. Tiens, on a créé une groupe d'unités stationnaires que vos amis devront pour pouvoir passer. Et on peut les mettre où on veut alors. Ah ouais, ok, c'est cool ça. Sympa le concept. On va mettre ici. C'est vraiment l'armée ça? Ah ouais, elle est quand même pas dégueulasse hein. Par contre, je sais pas s'ils peuvent aller là sans l'affronter. Je suis pas sûr. Ce que je voulais faire en fait, c'est protéger un peu mes zones, mais bon, on va attendre le prochain tour. Lui, il remonte là et on remonte en haut. Sirène, et ensuite on va pouvoir accoster sur l'île qui est là. Qui est collée à la nôtre. C'est intéressant. Ok. Bon, restons sur eux pour le moment. Ouais, encore beaucoup de combats qui ont l'air assez difficiles quand même. Hein. Ah ouais, mais là le jeu il rame trop quoi, c'est off. Non mais franchement quoi. Je vais regarder les stats de mon PC parce que... Ok, j'ai le processeur qui est à 100%. Alors pourquoi le processeur est à 100% tiens? Est-ce que c'est le jeu qui le charge à 100% comme ça? Parce que là je comprends pas. C'est ça ou autre chose, hein. C'est soit ça, soit j'ai un problème autre, mais... Ouais, c'est bizarre. Je vous aurais bien déplacé la vue du jeu, moi. À l'arrache, ouais. Bien sûr, entre les écraser. Est-ce qu'on peut dévorer ces créatures qu'on a invoquées? Ah bah oui, on peut. Bah on fait ça, tiens. À la limite, ça peut bien se coïncider comme ça, je pense.
Ok, nickel. Hop, un petit niveau 3. Et on a gagné un dragon rouge, ça y est. Hop. 38 de dégâts, 646 de vie, quoi. C'est hyper puissant. Non, du minerai, on a vraiment besoin de minerai. Ça, on peut pas. Château. Qu'est-ce qu'on va se prendre du coup? Deux à fond. Encore un Yeti. Encore eux. Ça non. Plus ça en sorcellerie, plus ça en attaque, plus ça en défense. C'est pas mal ça, mais je crois qu'on a un truc qui fait plus 5 hein, mémoire. Hein. Ouais, non, c'est bon. Là, c'est les caravanes. Et on va pouvoir repartir au combat. Des combats qui devraient être un peu moins difficiles. Moyen, moyen. On a beaucoup de moyens, mais bon, en même temps, il faut ce qu'il faut, hein. Allez, on va se faire un petit combat en moyen. Alors, E et E, c'est pas la peine. E non plus, à la limite, E, oui. Tac, tac. On va mettre 2 là. 1 là, 3 là, plus 2 qui vont être là-haut. Les arbalétriers à mort. Et c'est parti. On va direct transformer. Qu'est-ce qu'on transforme? On va mettre un bouclier sur eux plutôt. Et ensuite, on va mettre effectivement ça sur tout ça. Voilà. Parce que je vais vraiment tester sur mon PC fixe, qui est beaucoup plus puissant, pour voir si ça fait la même chose ou pas. Mais je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu chelou quand même. Ouais, ils sont quasiment tous morts, hein, les berserkers. Donc ils ont l'air bien, mais très fragiles hein, quand même. Hein. Après, il y a quasiment que eux qui ont pris, hein. Ça je suis d'accord, mais quand même. Ouf, maintenant ça sert plus à rien. Vitesse 2. Et c'est une victoire. On a perdu quand même tous nos soldats berserker. Hein. C'est pas rien. On va peut-être prendre. On va prendre champion. On va améliorer encore plus nos. Puncture ultime. Armée de géants. Oh. Un sort ultime. Même s'il ne pourrait pas la prendre. Ah ouais, j'espère que j'ai la mana pour l'utiliser par contre, parce que... 17 affecte les unités alliées en les transformant en géants. Multiplication de puissance pour 175. Ah oui, ça c'est de la puissance du sort, ok. Multiplicateur qu'on a de lancer le sort.
Je vois, bon voilà, c'est juste pour de l'or bof. Par contre là, ouais, effectivement, pour ça et ça, c'est intéressant quand même. Bon. Ok. Ils sont carrément impossibles à affronter. Bon, c'est peut-être un peu abusé quand même, impossible. Ils n'ont pas l'air d'avoir une armée si fou que ça. Ah, c'était un bug, oui, d'accord, merci. Parce que. Impossible. Ouais. Alors. Des oiseaux de fortune. On peut améliorer le bâtiment. Ok. Oh, marqué en vrai. 76 de santé, 9 de dégâts, 10 de vitesse. On va en prendre. On va tout claquer, tiens. Allez hop, voilà. Ça va nous améliorer un petit peu. On va aller piquer les ressources. C'est encore du gros combat, hein, punaise. Ouais, donc ça, le truc aquatique, on s'en fout. Ok, donc on va mettre tous nos yétis. Touk, touk, touk. Je serais curieux de voir ce que ça donne des yétis géants, du coup, puisqu'ils sont déjà censés être. Qui sont les autres. Ok, donc non. Hop. Là, et voilà. On va équilibrer un peu. Alors, ça donne quoi des yétis géants? Ok, on peut pas. Ils sont déjà géants. Ok, bon, on va prendre eux pour voir. Ouais, cool. Poum. La puissance. Vite, on va se mettre en vitesse 2. Mais ouais, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment la cata. Hein. Je trouve que le jeu est très très mal optimisé. Hein. Faut arrêter quoi, ça reste du pixel. Alors oui, il y a beaucoup d'unités à l'écran, mais bon, ça doit pas mettre un jeu comme ça en PLS quoi. Enfin, pour moi. Hein. Ça reste que mon avis. On peut rien faire quoi là. On va vous montrer des combats qui rament. C'est cata. Bon, je vais tester ça tranquillement. Si je vois que c'est pas jouable, ben je sais pas si je continuerai la série ou pas. Ou je la mettrai en pause.
Ou sinon, bah, si ça marche bien sur mon PC fixe et que ça vient de mon PC portable, bah, vu que le jeu est mal opti, bah, je passerai par le PC fixe, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, on met fin à ce tour et j'arrête. Voilà. Terminé. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi sur ce petit épisode. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu, malgré les petits problèmes techniques. Et je vous dis à très vite, j'espère en tout cas, pour la suite, parce que sinon moi je m'amuse bien. Hein, donc ce serait avec grand plaisir de continuer à vous montrer tout ça. Voilà, voilà. Merci à toutes et à tous d'être passés. Et à bientôt. Ciao, ciao.